Bonjour, merci de m'avoir invité pour ce pause café. Je m'appelle Léo Leblé-Jacques, je suis étudiant à Polytech Grenoble en filière matériaux et je suis aussi sportif de haut niveau, membre de l'équipe de France de snowboard cross et récemment médaillé au championnat du monde. J'ai pour objectif de me sélectionner pour les Jeux Olympiques de Pékin et je cherche des partenaires pour m'accompagner dans ce projet. J'ai commencé la prépa intégrée à Polytech Grenoble et puis j'ai continué sur Grenoble en cycle ingé en filière matériaux. Polytech pour moi c'est un tissu social, ça me permet de sortir de ma bulle du sport et de la bulle de compétition. Et c'est aussi pour moi un projet de reconversion pour mon après-carrière. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de mon parcours, qui est à la fois un projet sportif et un projet professionnel avec Polytech Grenoble. Je pratique le snowboard cross et je suis membre de l'équipe de France et donc j'évolue sur le circuit international. J'ai été champion du monde universitaire en 2017 et pour cette dernière saison, mes résultats marquants, ça a été un top 10 en Coupe du Monde, une 12e place au championnat du monde en individuel et une médaille de bronze en championnat du monde aussi par équipe. Et je termine 23e du classement général de la Coupe du Monde pour cette saison. Alors moi j'habite à la montagne, donc comme un peu tous les montagnards, j'ai fait du ski très tôt. Et puis à l'âge de 8 ans, en suivant mon frère, je me suis mis à faire du snowboard. Et depuis, j'ai pas arrêté. J'ai passé les échelons petit à petit, le club, le début de la compétition, le pôle espoir, le pôle France, et puis maintenant sur le circuit international en équipe de France. J'ai la chance d'être à Polytech Grenoble, qui fait partie de l'université Grenoble-Alpes, qui me permet d'avoir le dispositif Interval. C'est un dispositif qui me permet d'aménager de façon personnalisée et asynchrone mes cours. Donc je suis tout seul en tête-à-tête avec l'enseignant, ce qui me permet de planifier mes cours à mon rythme et quand j'ai le temps en fonction de mon planning sportif. J'ai choisi Polytech Grenoble parce que je voulais une formation d'ingénieur et c'était là où l'aménagement était le plus optimal par rapport à ma situation, ce qui me permet de faire mes deux projets dans des bonnes conditions. Alors, je suis tout seul en classe, ce qui rend la chose un peu plus monotone, mais ce qui me permet aussi d'avancer clairement à mon rythme et de planifier comme je souhaite mes cours. Cet aménagement, il me permet d'étaler mon cursus, donc d'avoir une charge de travail plus étalée en fonction de ma saison. Par contre, je vais mettre un petit peu plus de temps à réaliser mon diplôme. Donc cette saison est marquée par les Jeux Olympiques. Donc l'objectif c'est de décrocher une sélection pour Pékin qui aura lieu donc, en février 2022. Et pour cela j'ai besoin de soutien pour pouvoir m'entraîner dans les meilleures conditions. Donc si vous êtes une entreprise ou un investisseur qui souhaite m'accompagner dans ce challenge, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux Facebook, Instagram et LinkedIn. Mon meilleur souvenir, il date de cette saison où je décroche ma première médaille au championnat du monde pour ma première sélection, qui plus est en équipe. Donc ça a été un moment fort en émotion et un moment de partage avec ma coéquipière Julia.
Alors ça, c'était l'organisation avec le bureau des sports de montagne, une des nouvelles assos de l'école, d'une bataille de boules de neige devant l'école en septembre pour l'intégration.